Bonjour à tous et bienvenue dans le flash d'information de ce mercredi que j'ai le plaisir de présenter avec Hassan Dida. Bonjour Dida. Bonjour Maji. Le ministre délégué à la présidence de la République chargé des armées, des anciens combattants et des victimes de guerre, le général de corps d'armée Mamata Bali Sala, a échangé ce mercredi avec la délégation du projet Garci, groupe d'action rapide de surveillance et intervention au Sahel, conduite par son directeur, le général de division Francisco Espinoza Navas. Les échanges ont porté sur l'évolution du projet au Tchad, un projet installé dans 6 pays du Sahel, dont le Tchad, démarré en octobre 2017 au Tchad. Le Garci, composé de membres de la gendarmerie nationale, a pour objectif de garantir un contrôle accru du territoire et notamment des zones frontalières éloignées. Le directeur du projet se dit satisfait de son évolution au Tchad. La Bibliothèque nationale abrite depuis ce matin un atelier d'adoption d'un document de référence en soins après avortement. Un document conçu par le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale. À ces assises, les techniciens vont passer en revue les contenus du dit document soumis pour validation. Ouvrons les travaux. Le directeur général adjoint Mamad Hamid Amat a souligné que ce document, une fois adopté, sera une avancée en matière de soins liés à l'avortement. Le président sortant de la Chambre de commerce, d'industrie, de l'agriculture, des mines et d'artisanat, Amir Adoudou Artine, a animé hier soir dans le jardin de la place de la Nation une conférence de presse relative à la présentation du programme de la plateforme Convergence économique. C'était en présence des 112 élus consulaires de la Chambre de commerce. Et voilà pour le flash d'information en français. Nous poursuivons en arabe avec Dida. Bonsoir et bon après-midi, Maji. Al-Mushaïdoun al-Aïza, ahlam bikoum fi moujazi l'akhbar min al-fadaïa atchadia. Istakbala al-yom al-wazir al-muntadab lada riassatil jomkouri al-mukallaf bil-jiyush wal-muharibin al-qudama. وضحايا الحرب الفريق محمد أبالي صلاح استقبل مدير مجموعة تدخل العمل السري والمراقبة بدول الساحل غاسي السيد فرانسوا إسبينوزا نافاس حيث بحث اللقاء خطة عمل المشروع بدول الساحل المتمثلة في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود ومد الدول المعنية بالمعدات اللوجستية. وقد بدأ هذا المشروع عمله منذ العام 2017 ويمول من قبل الاتحاد الأوروبي. ترأس اليوم المدير العام النائب بوزارة الصحة العامة والتضامن الوطني الدكتور محمد حامد أحمد ترأس افتتاح أعمال الورشة الخاصة باعتماد الوثائق المتعلقة بتعزيز الصحة الإنجابية بالبلاد. وقد أكد المدير العام النائب بوزارة الصحة بأن هذه الورشة تسهم بشكل كبير في تعزيز الجهود المتعلقة بحماية المرأة والأطفال حديثي الولادة. نظمت مساء أمس منصة التقارب الاقتصادي مؤتمر صحفي بهدف عرض الخطة لرئيس غرفة التجارة المنتهية ولايته أمير أدودو أرتين ومرشح المنصة في انتخابات غرفة التجارة التي ستجرى في قادم الأيام. هذا المؤتمر تم فيه عرض فريق مكتبه الذي يتكون من 15 عضوا اختيروا بعد حملة مكثفة جسدت برنامج هذه المنصة للمشاركة في الانتخابات. وقد أكد أمير الدواردي بأنهم وضعوا خطة من شأنها إعطاء واجهة خاصة للغرفة وتعزيز ريادة الأعمال في تشاد. هكذا أنهي معكم هذا الموجز.
Voilà, c'est fini pour ce flash. Ne partez pas, restez toujours avec nous. On se donne rendez-vous tout à l'heure à 16h.